essentiellement gauche, droite, coup de coude et derrière coup de genou. Bon, 1, 2, 3 et le coup de genou. 1, 2, 3, coup de genou. Évitez 1, 2, 3 et d'être en arrière sur le coup de genou. 1, 2, 3, je vais chercher devant. Même chose mais en fausse garde. 1, 2, 3 et j'envoie le genou. 1, 2, 3. On revient ici, on envoie la jambe ici devant. Pas spécialement un front kick, mais voilà, la jambe, elle monte. On va envoyer devant, ici, et aller chercher derrière. Allez. Et regardez où vous allez derrière. Inverse, ici devant, là derrière. Allez, sur le côté. Il est tombé dans le coma. Allez, on va travailler sur les circulaires. Je suis ici, juste. Je reviens tranquillement. Je mets mon circulaire. Je me replace. Hop. Je contrôle bien mon mouvement. Cherchez pas à monter haut, forcément. Vous pouvez très bien venir le défiler ici. Ou un peu plus haut comme c'est fait. On inverse. Je me replace. Un petit appui, on va revenir ici. Le petit switch et on envoie la jambe. Là, je m'enlève. Ouais, là je me mets dans le sens que vous. Ouais. Je suis ici. Okay. C'est juste, la jambe elle est devant. On la passe derrière pour envoyer. Gauche, droite, front kick, circulaire. Quand je suis sur le circulaire, je pose ici le switch, j'envoie mon front kick jambe arrière. Je switch à nouveau front kick jambe avant, ici, droite, gauche, et je finis par le circulaire jambe arrière. Bon, je vais faire le même sens que vous. 1, 2, 3, 4, ici, on marque front kick jambe arrière. Ici, on marque, on marque, on marque, on marque, et on marque. Allez.